Aux confins de l'Inde et du Pakistan, 200 000 km² de sable et de steppes caillouteuses. Le nord-ouest du Rajasthan a été surnommé le pays de la mort, tant l'eau y est rare et les conditions de vie extrêmes. Bienvenue dans le désert du Thar. Ah, allez, hop, on sort, saute. Avec ses 140 kilos de bagages et son armée de porteurs, cette jeune Française ne vient pas ici pour les vacances. Depuis 7 ans, Capucine a choisi de vivre dans le désert par amour pour un Indien nommé Babou. Méal, ok ? Après un séjour en France, elle rentre aujourd'hui au pays avec son mari et Mohan, leur fils de 6 ans. Ça va, mon amour ? Oui. Le désert m'a tellement manqué. Mais pour rejoindre son coin de désert, Capucine doit encore faire une heure de route sur des pistes de plus en plus chaotiques. On a oublié de nulle part. Et tout au bout de ce no man's land, la petite maison où le jeune couple s'est installé. On arrive. Y a quelqu'un ? Vous êtes où ? Si Capucine n'a eu qu'un fils avec Babou, elle a adopté toute sa famille indienne. À commencer par les enfants qu'il avait déjà. Babou a eu 4 enfants avec une femme. Ils se sont mariés de force très très jeunes. Et elle est partie un jour en laissant les enfants. 4 frères et sœurs et une flopée de cousins pour Mohan. À 33 ans, Capucine a 8 enfants à charge. Venez, je suis là. Mina, la fille de Kamla, et Arou, la sœur de Babou, et qui sort un autre fils. Et une fille de Babou, Mina. Alors ça, c'est mes chéris. Ça va, Mina? C'est mes enfants, et je ferai tout pour eux. Yeah. Tu es beau, mon grand. Qui ça? Tu as déjà vu Mohan? Mohan, d'accord. Tout ce petit monde s'entasse dans 2 pièces, sans électricité ni eau courante, mais avec un terrain de jeu illimité. Comme les gens du désert, la jeune Française a appris à vivre dehors et n'utilise sa maison que pour y abriter ses maigres trésors. Là, c'est là où j'ai mes vêtements. Voilà, tout a été pris, tout est sans dessus-dessous. Ça arrive souvent, ça ? Oui, souvent quand je pars et que j'ai pas fermé à clé, les gens viennent se servir, prennent ce qui leur manque. Ils ont pas l'impression de voler, pour eux ils empruntent, puis ça revient pas forcément. Au début, ça me mettait hors de moi. Maintenant, je me suis habituée. Ce à quoi je tiens vraiment, j'ai une boîte là en métal avec un cadenas et je mets. Puis le reste, si ça disparaît, c'est pas grave. Alors, pour s'installer ici, il y a 7 ans, Capucine a abandonné ses études d'architecture et elle n'a aucun revenu. En France, elle ferait partie des plus pauvres. Mais à chaque fois qu'elle revient ici, c'est un peu comme si le Père Noël débarquait. Aujourd'hui, elle doit distribuer les vêtements collectés en France grâce à l'association caritative qu'elle a créée, baptisée Malenbaï, du nom d'une déesse du désert. Venez ici, les enfants. Tiens, c'est pour toi. Eh, ça y est. Regarde, ça va bien ensemble. La jupe est assortie au t-shirt. Tu trouves pas? Si, ça va. La folie de la mode ne connaît pas de frontières.
Et Capucine est bien obligée de freiner les ardeurs. J'ai dit un seul t-shirt et un pantalon. Il y en a plein d'autres qui attendent leur tour. C'est clair ? Là, on fait une distribution en premier à mes enfants parce qu'ils m'ont vu arriver avec des sacs et ils vont se sentir mal si je leur donne rien. Mais j'ai bien dit à chacun un vêtement. Voilà. Parce que je sais qu'ils en ont déjà un. Le fait d'avoir deux vêtements, c'est assez. Sinon, ils les perdent, ils n'en prennent pas soin. Voilà, on en a avoir deux, on en met un pendant qu'on lave l'autre. Ils lavent eux-mêmes leurs vêtements, ils font sécher. Et puis un jour après, quand ils reprennent leur douche, ils échangent et, voilà, jusqu'à qu'ils soient usés. Deux vêtements, ici, ça suffit pour être très content. Pour le retour de Capucine, sa famille indienne aussi a mis les petits plats dans les grands. Un menu de fête, mitonné par sa belle-sœur, Kamla. Qu'est-ce que vous avez préparé ? Des bindis, super ! J'adore ça ! Oui, je sais que tu aimes ça. Comment ? Ça sent trop bon ! Faute de réfrigérateur, ici, tout ce qui est frais doit être mangé le jour même et donc réservé aux grandes occasions. Sinon... Sinon, on mange du piment, revenu avec de l'huile et des chapatis. C'est fait avec de la farine de blé et un petit peu de sel et de l'eau, c'est tout. Il n'y a pas de levure ou de... Et on mange aussi beaucoup de lentilles. On appelle ça dal. Et c'est bon aussi les lentilles. Sauf quand c'est tous les jours. En France, quand on dit je t'ai fait des lentilles, ça me tente moyennement. Tu sais ce que je mange en France ? Non. Je ne mange pas d'épices. Ah bon ? Oui. Mais tu manges quoi alors ? Des pommes ? Du chou-fleur ? Donc elle me dit elle mange des pommes et des chou-fleurs. En fait, elle essaie de voir tout ce qui coûte trop cher dans la vie d'ici. Et elle dit là-bas, elle mange tout ça. Tout ce que nous, on ne peut pas acheter là. Dehors, le vent brûlant du désert a fini par faiblir. Ce soir, Pabou a coiffé le turban traditionnel et invité quelques musiciens itinérants à faire halte chez lui pour faire honneur à la femme qu'il aime. Ici, pas de télé ni de radio. Ces troubadours sont donc nourris et logés en échange de leur musique. Si Capucine a aimé cette culture dès le premier instant, elle a pourtant mis des années à se faire accepter par cette caste d'intouchables, l'une des plus isolées en Inde. Bravo, bravo. C'est si beau. C'est vrai qu'il est arrivé de me sentir seule dans cette tribu parce que je ne parlais pas la langue au début. J'ai dû apprendre le marwadi parce que personne ne parle anglais à part Pabou. Il suffisait qu'il parte 3 jours à un mariage. J'étais toute seule sans parler, sans pouvoir discuter. J'avais l'impression que tout le monde se moquait de moi. Au début, c'était vraiment dur. T'as jamais pensé à repartir ? Jamais. À partir du moment où j'ai fait le choix de faire cette vie-là, j'ai jamais regretté, j'ai eu des moments difficiles. À chaque fois, j'ai comparé en me disant
Pour moi, c'est aussi difficile de vivre comme je vivais à Paris dans un appart, seule avec un enfant, avec tout l'électroménager, mais seule physiquement. Et ici, il y a une chaleur de cœur qui réunit tout le monde et qui porte, en fait, qu'on perd, je trouve, par chez nous, en Europe. J'aimerais bien jouer des courtals, mais je ne suis pas bonne, je n'ose pas. Mais si, vas-y. Les courtals, ce sont ces castagnettes du désert, dont l'usage est traditionnellement réservé aux hommes. Ici, elle est la seule femme à en jouer. Merci. C'était très bien. Non. Merci, mais ce n'était pas bien. Si, si, c'était vraiment bien. Il faut que vous m'appreniez. Pour profiter de la fraîcheur nocturne, tout le monde dort à la Belle Étoile. Après 5 mois chez sa grand-mère française, dans une vraie chambre d'enfant, Mohan retrouve donc le dortoir à la mode du désert. Qui est là? Mais c'est Mina, avec Mohan et Haru. T'es trop content, Mohan, hein, d'avoir retrouvé tes cousines et tout ça. Lui a grandi ici et il n'a donc aucun mal à se réacclimater. Mais Capucine aussi a dû s'y faire parce que Pabou ne supportait pas de dormir enfermé. Ça, c'est mon oreiller. Le confort est rudimentaire et l'intimité toute relative. Vous comprenez pourquoi on ne dort pas sur la terrasse ? Même au milieu du désert, on n'est jamais complètement seul ici. Même s'ils dorment sur le toit, ils ne sont pas très loin. Oui, ils sont tout près, on les entend même ronfler. Mais tu sais, c'est important qu'on essaye de passer plus de temps ensemble. Oui, mais si on n'est pas que tous les deux, on est quand même ensemble, non? Chez Capucine, on se croirait aux antipodes de la civilisation. Pourtant, à seulement 30 km de là, ce sont tous les fastes de l'Inde qui se cachent derrière les remparts de cette forteresse de sable, Jaisalmer. Au milieu du désert, une oasis où l'eau et les richesses n'ont jamais manqué. À l'époque des invasions barbares, les guerriers Rajputs, chargés de protéger la région, en avaient fait une citadelle imprenable. Pour asseoir leur puissance, ils y avaient érigé des palais somptueux. Certains d'entre eux ont été transformés en hôtels, mais leurs descendants y vivent encore aujourd'hui. Bienvenue dans notre demeure. La dynastie Singh descend en droite ligne du Maharaja de Jaisalmer et vit ici depuis 300 ans. Un palais des mille et une nuits où 7 générations de guerriers Rajputs ont régné sur la province et laissé leur empreinte. Ça ressemble à un musée, mais pour le prince Vikram, qui a grandi ici, ce sont juste des souvenirs de famille. Ça, c'est un tigre que mon grand-père a tué il y a 40 ou 50 ans. Là, ce sont nos sabres d'apparat.
on s'en servait pour faire la guerre, mais surtout pour les cérémonies, car ils sont en or massif. Vous voyez, celui-là, on a tué quelqu'un avec, car il y a un trou dans le pommeau. Ça veut dire qu'il a donné la mort. Des armes ancestrales que le prince Vikram et même son épouse, la princesse Nejma, ont dû apprendre à manier. Quand j'étais petite, mon père m'a appris le maniement du sabre avec une épée en bois. Quand les hommes partaient à la guerre, il ne restait que les femmes et les serviteurs pour défendre la maison. Et pour une princesse rajpoute, tomber aux mains de l'ennemi était le pire des honneurs. Il fallait le tuer ou se donner la mort. Des traditions d'un autre âge, dont certaines ont pourtant perduré jusqu'à une époque récente. Les femmes étaient alors les gardiennes, mais aussi les prisonnières du palais. Ici, c'était les quartiers des femmes et des enfants. Vous voyez les fenêtres ? Elles donnent toutes sur la cour intérieure. Il n'y en a aucune sur la rue. Cette partie du palais était donc totalement cloisonnée. Lorsqu'il était petit, le prince Vikram ne pouvait voir sa mère que dans ces quartiers, où n'était admis aucun homme adulte, à part le Maharaja. Ici, on est chez les femmes. Je vous présente ma mère. La vieille Maharani y vit toujours et en est sortie pour la première fois il y a seulement 20 ans. J'avais 15 ans quand j'ai été amenée ici pour mon mariage. Et j'ai attendu d'en avoir 40 pour en sortir. Jusque-là, je ne savais absolument pas à quoi ressemblait Jaisalmer. Si on m'avait laissé le choix, j'aurais adoré sortir. Mais ça n'a jamais pu se faire du vivant de ma belle-mère. La princesse Nejma n'a pas hérité du mode de vie de sa belle-mère, mais de son trésor. Ça, ce sont les bracelets que j'ai reçus pour mon mariage. C'est très ancien. Ils sont en ivoire et en or et sont transmis de génération en génération. Et voilà les bracelets en or qu'on porte au pied, avec les grelots. Ça aussi, ma belle-mère me les a offerts pour mes noces. Une collection de joyaux d'une valeur inestimable. Vous pouvez me dire combien de diamants il y a sur ce collier ? 50 peut-être. Oui, 50 diamants. Non, beaucoup plus. Il y en a au moins une centaine. Comme leur grand-mère et leur mère, les deux petites princesses s'hériteront aussi un jour de ces bijoux. Vas-y, fais-les sonner. Très bien. Je peux essayer celui-là ? Un héritage qu'elles trouveront peut-être un jour lourd à porter, si elles doivent, comme l'exige toujours la tradition rajpoute, épouser un prince de leur caste, choisi par leur famille. Tourne-toi. Très joli. Dans le désert, le jour se lève à peine. À défaut de pouvoir édifier un palais à la femme qu'il aime, Pabou lui a offert la liberté. Et en guise de bijoux de famille, une batterie de casserole. Pour économiser l'eau, ici, c'est au sable qu'on fait la vaisselle. Ça
C'est un décapant très puissant, en fait, le sable. Ça gratte tout et ça enlève les odeurs. Ça lave aussi bien que de l'eau. Ah, ça lave mieux. Et pour les grandes occasions, pour le faire briller encore plus à la fin, on frotte avec de la cendre. Et voilà. Tu trouves ça impeccable? Pas propre, elle dit. T'as perdu la main, alors? Ah oui, je suis pas aussi douée qu'elle, aussi rapide. Et ça ne t'a jamais manqué, le confort? Mais de choisir une vie uniquement pour un confort, moi, c'est pas mon but. C'est sûr que c'était pas mon rêve depuis toute petite, hein, de venir vivre à la dure. C'est un tout. C'est un tout avec le reste de ma vie qui est si fort et si beau dans sa simplicité. Si on m'offrait un lave-vaisselle à électricité ici, je cracherais pas dessus, j'utiliserais. Pour gagner un peu d'argent, Capucine et Pabou ont construit quelques huttes où ils accueillent des touristes. Aujourd'hui, c'est justement une famille de Français qui vient découvrir le désert. Comme à chaque fois, Capucine appréhende un peu la rencontre. Faire comprendre son mode de vie hors norme est toujours un défi. Capucine, enchantée. Régis, Marie et les deux enfants arrivent de Paris. C'est leur premier voyage en Inde. Vous avez du mal à vous trouver, on s'est un peu perdu. Bienvenue chez nous. Vous pouvez venir sur la terrasse. C'est gentil. Pour les initier à la vie dans le désert, Capucine commence par la visite des huttes où ils vont dormir. Voilà, attention à la tête, il faut vraiment bien se baisser. Maison de Kirikou. C'est la maison de Kirikou. C'est la maison de Kirikou. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer les toilettes, suivez-moi. Ce sont des sanitaires pour nos visiteurs uniquement. D'accord. Quand on veut prendre une douche, on fait couler de l'eau, on porte le seau. On va jusqu'à l'endroit de la douche. Ah, c'est la douche, là. Oh, la douche. Mais où je suis? Et voilà, et on se douche comme ça. Est-ce que tu t'es déjà douché comme ça, Hugo? Non. Tu sais pourquoi on fait ça? Parce qu'ici, il n'y a pas d'eau. Donc, pour aller chercher de l'eau, on va avec un tracteur qui a un grand réservoir derrière. On le remplit dans les villages. On fait toute la route pour revenir. Alors, chaque goutte après, on en prend grand soin. Ça va aller, c'est écologique. Ah, c'est écologique. Exactement, c'est écologique. T'as tout compris déjà. C'est parfait. Mais ce n'est pas la fin des épreuves pour Hugo. En guise de bienvenue, les Indiens ont préparé aux Français une spécialité très prisée ici. Un porridge aux fruits secs et aux épices. Tu veux pas goûter? C'est bizarre, c'est de la couleur, c'est de la bouillie verte. À 14 ans, Hugo rêve plutôt de ça. Vous pouvez venir. Partir à l'assaut du désert, à dos de dromadaire. Ça va aller d'abord vers l'arrière et après vers l'avant. Okay. Et d'abord, ça va être par l'arrière. Oui. Au galop. Au galop. Hola, hola, hola. Pas âme qui vive à l'horizon, mais un paysage lunaire de roches volcaniques. Et tout au bout de ce champ minéral, une mer de sable striée d'étranges traces blanchâtres. On dirait de la glace. La neige. La neige.
Si vous en prenez une pincée et que vous la mettez sur votre langue, vous verrez, c'est du sel. C'est tout ce qu'il reste du plus grand lac salé de la région, totalement asséché. Dans ce coin de désert, il n'a pas plu depuis 3 ans. Et le point d'eau le plus proche est à plusieurs heures de marche. Alors, malgré les secousses, tout le monde s'accroche à sa monture. C'était trop marrant. C'est vraiment génial, c'est vraiment ce qu'on attendait. Et puis, on n'a pas l'impression de faire un tour de chameau pour touristes. Vous pouvez regarder autour de vous, hein. À 360 degrés, il n'y en a aucun. Et c'est ça qui est vraiment agréable. Pour Pabou et Capucine non plus, ce n'est pas un exercice touristique, mais leur plus ancien souvenir commun. Il y a 7 ans, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Il était chamelier, elle touriste, et elle avait loué ses services pour une randonnée dans le désert. Quand j'ai rencontré Pabou, j'étais sûre que c'était l'homme de ma vie et c'était une évidence. C'était la première chose vraiment sûre de toute ma vie. Et lui, pareil, il m'a dit « Je t'ai attendu toute ma vie, tu es enfin là. » Et donc, voilà, c'était plus fort que tout. C'est comme si la vie nous avait réunis pour qu'ensemble on soit plus fort. Maintenant, plus rien ne pourra jamais nous séparer. Tente pour moi. Puis, il y a le dieu Pabuji et les 7 sœurs que je prie ici. Il m'incite à aller puiser ce que j'ai de bon au fond de moi. C'est un dieu du désert, les 7 sœurs qu'on prie ici, on demande la protection pour qu'il protège les villages, les familles. C'est très important pour Pabu et sa famille. Le panthéon hindou compte plus de dieux que d'habitants dans le désert. Plus de 33 000 divinités et quasiment autant de temples. Dans l'espoir de voir exaucer leurs vœux, les pèlerins n'hésitent pas à traverser le pays pour aller demander prospérité ou santé aux dieux qu'ils vénèrent. Ocean est un des hauts lieux de la spiritualité hindoue. Ici, ce sont les couples qui viennent des 4 coins de l'Inde pour prier la déesse de la fécondité. Ira et son épouse, Pinpan, ont fait 300 km pour venir jusqu'ici. Tenez, voici nos offrandes pour la déesse. Des noix de coco, des friandises et quelques billets pour tenter d'infléchir le sort. Je peux avoir un bracelet ? Il faut l'attacher ici pour que vos vœux soient exaucés. Depuis 10 ans, ils ont tout tenté pour avoir un enfant. La déesse Sachyamata représente leur dernier espoir. Tu as vu le monde qu'il y a ? C'est que ça doit marcher, non ? J'espère. Si on arrive à avoir un enfant, on reviendra pour remercier la déesse. Elle doit forcément avoir un grand pouvoir pour attirer tous ces gens ici. On est allé voir des médecins.
On a prié dans des dizaines de temples et ça n'a servi à rien. Mais avec Sachyamata, j'y crois. Comme elle a donné des enfants à d'autres, on espère qu'elle nous donnera enfin un fils. Moi, je ne sais pas si la déesse va nous entendre, mais je suis venue ici pour alléger ma souffrance. Une souffrance intime, mais aussi un drame social. Pour le comprendre, nous sommes allés retrouver Ira et Pinpan dans le village où ils vivent. Ici, toutes les femmes sont escortées de 7 ou 8 enfants. À défaut d'avoir les siens, Pinpan passe tout son temps avec ceux de ses voisines. Allez les filles, dansez pour moi. Viens avec nous. Non, je préfère vous regarder. Elle, c'est la fille de ma belle-sœur, et toutes les autres aussi. Elle en a quatre, et elles passent tout leur temps chez moi. Elle, ça la rend heureuse, et moi, ça m'arrange. Des enfants, j'en ai trop. Alors, quand j'en ai marre, je les envoie à Pinpan. Moi, j'adore m'occuper d'eux. Je les lave, je les nourris, je leur achète des friandises. On joue ensemble. Oh, voilà Ketpal. Amène-le-moi. Comment ça va, mon bébé, mon petit grand-père? Tu es à moi, rien qu'à moi. Viens me faire un câlin. Fais-moi un bisou. Tu me fais un petit sourire? Mais derrière l'apparente solidarité, Pinpan et Ira sont victimes d'une exclusion qui ne dit pas son nom. Ce n'est qu'à l'abri des oreilles indiscrètes, enfermées dans leur maison, qu'ils acceptent finalement de nous raconter leur quotidien. Dans le village, tout le monde dit qu'on a dû faire quelque chose de mal et que les dieux nous punissent. C'est pour ça qu'on n'a pas d'enfants. Les gens disent qu'on porte le mauvais œil. Alors beaucoup ne veulent même pas nous adresser la parole. Si dans un an, on n'a toujours pas d'enfants, je vais devoir prendre une seconde femme. Ça me fait mal. Mais si une autre femme lui donne un enfant, je l'accueillerai comme le mien. Et au moins, les gens reviendront nous voir. En Inde, ne pas avoir d'enfant est une malédiction. Mais en avoir trop n'est pas beaucoup plus simple à gérer. Debout, les enfants. Chez Capucine et Pabou, il n'est que 5 heures du matin. Mais la jeune Française est déjà sur le pont. Allez, lève-toi. Se lever au milieu de la nuit pour aller à l'école, vu de France, ça ressemble à un cauchemar. Mais pour ces petites filles indiennes, c'est un rêve qui se réalise. Ici, moins d'une fillette sur deux apprend à lire et à écrire. Maman, viens voir. Alors, ils sont comment, ces nouveaux uniformes? Ils vous plaisent? Super! Ah oui, ils sont trop beaux! Moi, j'adore le mien! Ce moment, c'est aussi l'aboutissement de 7 ans de combat pour Capucine. L'école coûte cher en Inde. Et ce n'est que grâce aux dons récoltés par son association qu'elle a enfin pu réunir l'argent nécessaire pour scolariser tous les enfants cette année. Alors, comment ça se passe depuis la rentrée? Vous êtes contente? Les premiers jours, on se levait au milieu de la nuit. Et du coup, on était prêts 2 heures à l'avance. On était trop excités.
Elle était tellement contente d'aller à l'école. Parce qu'elle a attendu d'avoir 12 ans pour aller à l'école. Et elle pensait pas avoir la chance d'y aller un jour. Pour Mina, la nièce de Capucine, c'est un sursis inespéré. Elle aura 13 ans l'an prochain et son père était bien décidé à la marier. Pour le convaincre de la laisser d'abord aller à l'école, la jeune Française a dû lutter pied à pied. Aujourd'hui, il s'est fait une raison et il joue même les chauffeurs. Moi, je sais ni lire ni écrire. Mes enfants, ils s'en sortiront peut-être mieux s'ils vont à l'école. Pourtant, l'éducation à l'indienne, ce n'est pas que du bonheur. Les enfants ont raconté à Capucine que les gifles pleuvaient à la moindre erreur. Elle est donc bien décidée à rectifier le tir. Bonjour. Ce sont mes enfants. T'as vu ? Une blanche avec des enfants indiens. C'est vraiment ta mère ? Je veux vous voir parce qu'ils se plaignent d'être battus par les professeurs. Il faut qu'on en parle. Les enfants lui ont dit qu'on les frappait. Alors elle se plaint. Elle n'a pas l'air contente. En France, vous pourriez aller en prison pour ça. C'est pour ça que je viens vérifier. Elle est en prison pour ça ? C'est vrai, je ne plaisante pas. C'est interdit. En réalité, Capucine soupçonne les enseignants de faire payer aux enfants leur statut d'intouchable. Cette caste, la plus méprisée en Inde, est souvent victime de brimades. Pour en avoir le cœur net, le jeune couple décide d'assister à un cours. Bonjour. C'est possible d'assister au cours avec ma femme ? Ce sont nos enfants. Ça n'a pas l'air si mal, finalement. La surprise est plutôt bonne. Les petites filles sont au premier rang. Et aujourd'hui, l'enseignant déploie même un zèle tout particulier à leur égard. Si j'avais eu cette chance quand j'étais petit, je me dis que j'aurais adoré aller à l'école moi aussi. Je suis tellement fier d'elle, tellement heureux. Est-ce que c'est une victoire ? Ouais, je suis très contente, je suis très émue aussi. Mais pour que les enfants puissent aller à l'école, encore faut-il que les parents aient de quoi vivre. Alors, Capucine s'est mise à battre la campagne dans tous les villages voisins pour y développer l'artisanat local. Bonjour. Comment vas-tu? Non, ne t'incline pas devant nous. On est si contentes de te voir. C'est toujours bon signe quand tu nous rends visite. Si Capucine et Pabou sont toujours les bienvenus ici, c'est qu'ils sont considérés comme des bienfaiteurs. Bonjour Jabal, comment ça va? Ça va, mes respects. Bonjour, ça va bien? Jabal et Tisserand, Pabou et Capucine sont aujourd'hui ses plus gros clients. Il nous faudrait une vingtaine de tapis pour le mois prochain, c'est possible? 20 c'est beaucoup. Combien tu peux m'en faire? Disons une quinzaine d'ici un mois et demi. Pour le reste, je vais faire ce que je peux. Il y a encore 3 ans, cet homme cassait des pierres pour survivre. Tisserand, c'était le métier de son grand-père. Mais Jabal, lui, ne l'avait jamais appris. Capucine et Pabou l'ont incité à reprendre cette activité et ont en quelque sorte sponsorisé son apprentissage. On lui a dit, autant de tapis que tu fais, on va tous te les acheter. Et donc il s'est mis à faire. On lui a acheté des stocks et des stocks et des stocks. Et puis nous, au début, on les a un petit peu donnés à droite à gauche, si c'était pas très droit. Et puis ça a amélioré. Il en a fait des plus en plus beaux, qu'on a pu par la suite vendre à nos visiteurs. Voilà. Depuis, le vieil homme a pu payer le mariage de ses 2 filles aînées.
et scolariser les trois plus jeunes. Ça a tout changé pour moi. Maintenant, je peux passer plus de temps avec mes enfants et leur offrir ce dont ils ont besoin. Je gagne bien ma vie et je suis fier de ce que je fais. Je trouve que ces gens ont une richesse intérieure et une richesse culturelle énorme. Et je veux les encourager à la faire perdurer parce que je sais que c'est à ça qu'ils se rattachent. Quand la vie est trop dure et que tout d'un coup, on a envie de laisser tomber parce que c'est trop dur de se nourrir, on ne trouve pas de travail, ou le travail est trop physique, la chaleur. Et la seule chose qui les font tenir, c'est d'être ensemble et c'est ces traditions qui les portent. Pour défendre ces traditions tribales en voie de disparition, Capucine vient de se lancer un nouveau défi. Au revoir! À bientôt! Parcourir le Rajasthan pour aller promouvoir d'autres talents. Direction Jodhpur. Comme pour marquer la frontière avec le désert, la ville s'est mise aux couleurs du ciel. On raconte ici que l'azur des façades protège de la chaleur et éloigne les moustiques. Aujourd'hui, la cité bleue est devenue le carrefour des artisans et des artistes nomades venus des quatre coins du Rajasthan. Capucine, escortée comme toujours des deux hommes de sa vie, s'est mis en tête de convaincre des artistes de venir chez elle pour les faire découvrir aux touristes. Bonjour. Namaskar. Namaste. Bonjour. On les appelle les Kalbélias. Autrefois, ces gitanes du désert charmaient les serpents et soignaient leurs morsures à l'aide de leur musique et de danse destinée à envoûter l'animal. Pour imiter les mouvements hypnotiques du reptile, les femmes ondulent et tournoient de plus en plus vite, comme en état de transe. À mi-chemin entre la danse et le numéro de contorsionniste. J'ai adoré. C'est vrai? Oui. Tu m'apprends? À toi? Juste un peu. D'accord? D'accord. Merci. Ça te dérange pas qu'elle m'apprenne à danser? Ce n'est pas que je sois contre, mais tu sais bien ce que les gens vont penser. J'ai pas envie qu'on dise du mal de toi. Si Pabou est loin d'être enthousiaste, c'est parce qu'au Rajasthan, les femmes qui dansent en public sont considérées comme des dépravées. Et aujourd'hui, des dizaines de curieux se sont justement agglutinés sur les toits voisins. Dans ce cas, on descend s'enfermer et elles m'apprennent. Bon, ok, mais je veux pas que les hommes viennent. Mais on ne peut pas danser sans le joueur de courtal. J'ai besoin d'un musicien. Ah non, pas d'homme. Juste un seul. Non, non, pas question. Bon, sans musique alors. Comme ça, ça va. C'est donc sans musique et dans une pièce barricadée que la jeune Française va enfin pouvoir revêtir les atours des Kalbélias pour esquisser ses premiers pas de danse. Assieds-toi, mon chéri. Détends-toi. Je te fais peur. Non. C'est beau, j'adore. Je voudrais apprendre comment elle fait ça. Fais comme ça. Maintenant, fais-le toute seule. Toute seule ? Oui, je te corrigerai.
des coulisses à la scène. Elle devra encore s'entraîner un peu. C'est beau. Comment je vais m'y prendre pour faire ça? Tu mets une main en haut, une main en bas et la tête sur le côté. Mais pour Pabou, ça tombe bien. Il n'est pas très pressé de partager le spectacle avec d'autres admirateurs. Au revoir. Merci. T'es une super prof. Merci. Reviens quand tu veux. Je t'apprendrai encore. En attendant, les soirs de fête dans le désert, Capucine se contente encore de jouer les spectatrices. C'est la dernière nuit des Français sur place. La danseuse est exotique. Régis ne boude pas son plaisir. La demoiselle finit par inviter ces messieurs à la récompenser pour ses efforts. Régis se lance. Dans le désert, c'est comme ça. Les hommes préfèrent danser eux-mêmes plutôt que de laisser leurs femmes compromettre leur réputation. J'ai cru avoir affaire à une belle indienne. Et puis, très rapidement, en fait, les pas plus lourds d'un homme m'ont tout de suite... on a tout de suite vu la supercherie. Et je pense qu'on ne revivra pas ça nulle autre part, finalement. Ce soir, il ne sera pas le seul à avoir une surprise. Pabou a fait croire à Capucine qu'il avait organisé cette fête en l'honneur des vacanciers, mais ce n'est pas tout à fait ça. Capucine a eu 33 ans aujourd'hui, mais c'est la première fois que sa famille indienne célèbre son anniversaire. Tiens, serre-toi, mon amour. Merci, c'est mon plus bel anniversaire. Après avoir espéré en vain pendant 7 ans, elle ne s'y attendait plus vraiment. En Inde aussi, on célèbre les anniversaires? En Inde, je pense que oui. Dans le désert, non, parce qu'on ne connaît pas les dates de naissance. Mais Pabou a appris, alors? Oui, il sait que je lui ai répété à plusieurs reprises hein, que c'était mon anniversaire, cette date-là. Et puis, il s'en est souvenu cette année. Oh. Bon anniversaire. Merci. Du désert, Capucine. Merci beaucoup, Régis. L'heure des adieux a sonné pour les Français. Mais après s'être demandé s'ils allaient tenir 2 jours dans le désert, ils n'ont plus l'air si pressés de partir. Chloé joue les monitrices de colonies de vacances. Et sa mère s'improvise infirmière. Voilà. Faut juste que je désinfecte correctement. Ce vieil Indien a fait 10 km à pied dans l'espoir de se faire soigner. Et la touriste française a tenu à prendre les choses en main. Là, il se trouve que je voyais ce bandage tout plein de je sais pas trop quoi, de sang, etc. Et puis ce monsieur qui avait l'air d'avoir mal. Donc bon, bah moi j'ai amené toute ma pharmacie. Donc je me dis qu'elle va bien servir. Donc voilà. Aujourd'hui, le vieil homme repartira soulagé. Mais les Français ont bien du mal à larguer les amarres. Pour eux, comme pour Capucine, le charme du désert semble avoir opéré. Thank you so much.
Nous, on va poursuivre notre chemin et il est certainement plus facile que pour eux. Donc voilà, c'est jamais facile. Merci. Au revoir, Marie. Bonne soirée, je suis amie. Oh, moi aussi, je suis amie. Merci beaucoup. Ils sont super, tes enfants. Je les adore. Merci. Pourquoi vous pleurez, je suis très émue de partir d'ici parce que c'était une belle expérience, parce que c'était vraiment ce que moi j'en cherchais, parce qu'on a envie aussi de les aider. Et que ce sera une belle histoire en tout cas. Marie, Régis et leurs enfants ne sont sans doute pas prêts d'oublier la Française du désert et sa tribu. Quant à Capucine, son destin appartient à cette terre. Elle le sait, son histoire d'amour a fait d'elle une Indienne blanche.